Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous arrêtons un instant pour rendre hommage aux femmes et aux hommes des forces militaires canadiennes. Depuis la Confédération, plus de 2,3 millions de Canadiens ont servi au sein de nos forces armées et plus de 120 000 d'entre eux ont fait le sacrifice ultime. Avec générosité, dévouement et courage, les membres des forces armées canadiennes et nos anciens combattants représentent les valeurs que défend notre pays. Des valeurs comme la liberté, la démocratie, la justice, la sécurité et la paix. Au Canada et dans le monde, nos forces militaires servent avec distinction. En ce moment même, des membres des forces armées canadiennes appuient nos alliés sur le flanc oriental de l'OTAN, protègent les eaux de la région Indo-Pacifique et forment les Ukrainiens qui défendent leur pays. Cette année, nous avons également été témoins du travail qu'ils accomplissent pour aider les Canadiens touchés ici par des catastrophes naturelles. Ils font tout cela en arborant la feuille d'érable et en perpétuant les traditions des anciens combattants qui les ont précédés. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, lorsque nous observerons 2 minutes de silence, visiterons les monuments commémoratifs de guerre et participeront aux cérémonies. Avec un coquelicot sur le cœur, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux sacrifices de nos familles de militaires, de nos anciens combattants, des membres de nos forces armées canadiennes et de ceux qui ont servi lors des deux guerres mondiales, en Corée et en Afghanistan, et lors des missions de maintien de la paix partout dans le monde. Souvenons-nous de ceux qui ont donné leur vie au service d'un Canada meilleur et réaffirmons avec sincérité et conviction que nous n'oublierons jamais.